Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Alors aujourd'hui, on va faire quelques séries d'exercices de français pour aider les autres qui ont une faiblesse. Parlons un peu des constituants du groupe nominal, les constituants du groupe nominal. Dans cet exercice, dans les phrases suivantes, on doit tout simplement souligner les groupes nominaux et encadrer les constituants obligatoires. On va souligner d'abord les groupes nominaux et on cadre après les constituants obligatoires du groupe nominal. On va commencer par la lecture des phrases. D'abord, on dit la journée a été rude. La journée a été rude. La mère de Pierre-Henri soupire. La mère de Pierre-Henri soupire. Son enfant l'épuise. Son enfant l'épuise. Pierre-Henri est devant la penderie ouverte. Est devant la penderie ouverte. Sa mère le rejoint. Il retire les vêtements de laine. Ce satané môme dira n'importe quoi. La journée a été rude. La mère de Pierre-Henri soupire. Son enfant l'épuise. Pierre-Henri est devant la penderie ouverte. Sa mère le rejoint. Il retire les vêtements de laine. Ce satané môme dira n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner les groupes nominaux. Alors, on dit la journée. On dit la mère de Pierre-Henri. Son enfant. Pierre-Henri. La penderie ouverte. Sa mère. Les vêtements de laine. C'est un nom propre. Voilà, on va retirer un petit peu. On va l'écarter un peu. Alors, c'est un imam. Alors, on a la journée, la mère de Pierre-Henri, son enfant, la penderie ouverte, sa mère, les vêtements de laine, ce satané môme. Voilà. Alors, je viens de souligner les groupes nominaux. Maintenant, j'encadre les constitutions obligatoires. Ça veut dire déterminant plus non. Ça veut dire déterminant plus non. Normalement, on dit la journée. Voilà. Pour faire la différence entre ça. Ouais. Alors là, c'est déterminant. Journée, c'est un nom féminin. C'est la même chose ici. On dit la mère. Enfant. Pandéry, uniquement Pandéry, mère, les vêtements, môme. J'évite tout simplement les autres mots. Alors, on dit là, c'est un déterminant sans la. Les ceux voilà. Alors qu'est-ce que je viens de faire? Tout d'abord, on a encadré, on a souligné les groupes nominaux, par exemple la journée, la mère, son enfant, la penderie ouverte, sa mère, les vêtements de laine, ce satan les mômes. Et on a encadré les constitutions obligatoires. Constitution obligatoire, ça veut dire tout simplement, j'écris ici, déterminant
plus non, tout simplement, parce qu'il s'agit d'un déterminant plus non. Voilà. Déterminant plus non. Ça, les conditions obligatoires. Voilà, c'est tout pour le moment. On passe à autre chose.